Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les modèles stochastiques. Bien sûr, on est toujours dans les séries chronologiques. Si vous avez bien suivi les différentes vidéos que j'ai postées, on a commencé par donner la différence entre un modèle déterministe et un modèle stochastique dans le cas des séries chronologiques. Après, j'ai posté une vidéo sur les modèles déterministes en donnant un exemple. Et maintenant, on va achever cette série, on va dire, de révision de cours. Après, je commencerai une autre série où je vais tout simplement résoudre quelques examens que j'ai posés dans les différents masters que j'enseigne. Alors, je vais me focaliser aujourd'hui sur les modèles stochastiques dans le côté théorique. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, modèle stochastique. Si vous avez bien compris la différence entre modèle déterministe et modèle stochastique, on a dit que le modèle stochastique, les erreurs ne sont plus idées, c'est-à-dire ne sont pas identiquement distribuées et indépendantes. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire, lorsque les erreurs ne sont pas idées, donc je dois suivre un modèle stochastique. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Regardez dans cette remarque. Modéliser les mouvements de la série temporelle à partir de quoi? À partir de son histoire et des valeurs présentes et passées de quoi? D'un bruit blanc. Innovation avec modèle linéaire. Alors, il dépend de l'histoire, des valeurs passées de ma série et des valeurs présentes et passées d'un bruit blanc. Okay, hein, d'un bruit blanc. Vous voyez, il n'y a plus l'erreur epsilon t qui n'est pas id. Hein. J'ai remplacé le epsilon t par un, on va dire, par les valeurs présentes et passées d'un bruit blanc. Que dans la plupart du temps, comment on explique ce bruit blanc? On l'explique sous forme, c'est que c'est comme une innovation, c'est-à-dire on est en train d'innover. Alors, je vais réexpliquer. C'est-à-dire le y, il dépend de quoi? De ce que j'ai fait, des valeurs de l'année dernière, l'année avant-dernière, l'année avant-avant-dernière, des 3 dernières années, 4 dernières années, plus ce que j'ai innové cette année, l'année dernière, l'année avant. Alors, les innovations, pour moi, ce sont les aléas. C'est notre bruit blanc. Okay, hein? Donc, on les modélise sous forme de bruit blanc, ce qu'on les appelle innovations. Okay, hein? Pour que vous compreniez, c'est quoi les bruits blancs? C'est pour ça que on essaie de rendre les choses réelles. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que notre série dépend des valeurs passées et de l'aléa. L'aléa, c'est quoi l'aléa dans ce cas-là? L'aléa dans ce cas-là, on l'explique et on le concrétise sous forme d'innovation. Alors, une série continue n'est pas déterministe, comme ce sera le cas dans toutes les situations que nous rencontrons. Il va être tout simplement un processus stochastique. Alors, on a dit soit il va être déterministe, soit il va être stochastique. Et le processus stochastique, c'est chaque observation est une variable quoi? C'est une variable aléatoire. Pourquoi c'est une variable aléatoire? Parce que mes erreurs ne sont pas idées. Et les variables évoluent dans le temps selon certains lois. Alors, ici, les processus stationnaires constituent un cas particulier important. Alors, le processus stationnaire. Une des grandes questions dans l'étude des séries temporelles est de savoir est-ce que le processus elle est stationnaire. Ben, c'est ça, on va dire, la première étape à faire. Lorsqu'on est face à une série, on aimerait bien savoir est-ce qu'il est stationnaire ou n'est pas stationnaire. Cette stationnarité, il va jouer le rôle de quoi? Ben, il joue le rôle que les erreurs, le epsilon que nous avons parlé dans le cas, lorsqu'on a fait la différenciation entre modèle déterministe et modèle stochastique, c'est que l'erreur doit être idée. Cette stationnarité joue un rôle majeur en série temporelle qu'elle remplace de manière naturelle, regardez, l'hypothèse d'observation indépendante identiquement distribuée en statistiques standard. Vous l'avez vu? Ok. Hein? Donc, la stationnarité joue le rôle de idée dans le cas déterministe. On considère deux sortes de notions de stationnarité. Il y a la stationnarité forte, où on l'appelle stricte, ou bien la stationnarité faible, ou au second ordre. Nous, on va utiliser la stationnarité faible ou au second ordre.
La notion de série stationnaire est indispensable pour faire de l'analyse des séries. Une série stationnaire YT est une série dont les propriétés sont inchangées par changement d'origine de temps. C'est-à-dire, si je change l'origine de temps, ma série, c'est-à-dire la série, parce que la stationnarité, elle est en relation avec l'espérance et la variance et aussi les autocovariances. Si je change l'origine du temps, je vais avoir la même moyenne, la même variance et les mêmes autocovariances. Alors, voici la stationnarité faible. Alors, c'est quoi stationnarité faible? Tout simplement, c'est que toutes les valeurs de ma série ont la même espérance. C'est-à-dire, l'espérance, elle est stable. Et aussi, ils ont la même variance. Là, voici. Et les covariances, OK, ou les autocovariances, comme vous voulez, les covariances sont stables. Regardez. OK? Les covariances ne dépendent que du délai K. Regardez. Covariance de Y1 jusqu'à Y1 plus K est égale à la covariance de Y2 jusqu'à Y2 plus K. Si vous faites la différence entre 1 plus K et 1, vous trouvez K. Si vous faites la différence entre 2 plus K et 2, vous trouvez K. Donc, si on a le même délai, je calcule cette covariance, je vais avoir la même covariance qui est gamma K. Les covariances ne dépendent que du délai. OK? C'est-à-dire la différence entre la première variable, la date de la première variable et la date de la dernière variable. OK? Alors, caractéristique d'une série temporelle. Alors, comment on calcule bien sûr la moyenne? Bien sûr, lorsqu'on est face à une série, n'oubliez pas qu'une série, c'est un échantillon, c'est une partie d'une grande série. Lorsqu'on dit qu'on a une série de 30 valeurs, ne dites pas dans votre tête que votre population mère contient que 30 valeurs. Non. Votre série contient plus que 30 valeurs. Mais vous n'avez que 32 valeurs. Lorsque vous dites que vous avez une série qui commence de 1960 jusqu'à 2022, n'oubliez pas que votre série n'a pas commencé à 1960 et qu'il ne va pas se terminer à 2022. Okay? Si on dit qu'il a commencé à 1960, supposons qu'il a commencé, qu'il n'avait pas de valeurs avant 1960. Et ma série sera produit que je viens de le commercialiser à partir de 1960. Est-ce que le produit va s'arrêter en 2022? Non, il ne va pas s'arrêter en 2022. Il va rester, je ne sais pas, en 2030, 2040. Donc, le délai entre 1960 et 2022, c'est un échantillon, c'est une partie de ma population mère. Okay, hein? Donc, lorsque vous avez une série, vous avez une partie de votre population mère et vous n'avez pas toute la population mère. Donc, c'est un échantillon. Donc, vous allez estimer la moyenne, vous allez estimer la variance, vous allez estimer les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle. Alors, pour estimer la variance, l'espérance, c'est ça. C'est celle-là. OK? C'est mu chapeau Y bar. C'est la somme de toutes les valeurs de la série divisée par la taille de l'échantillon. Si vous voulez calculer la variance, la même chose, hein, c'est sigma chapeau au carré, c'est gamma chapeau de 0, 1 sur T, la somme du YT, moins Y bar au carré. Ou bien, ça peut être aussi, c'est 1 sur T, la somme de YT au carré, moins Y bar au carré. Ici, 1 sur T, je vais utiliser que pour cette somme. Okay, la somme de YT au carré, je calcule la somme de YT au carré, je la divise par T moins la moyenne au carré. Okay. Donc maintenant, pour estimer les gamma K, qui sont tout simplement l'autocovariance empirique, ben, qui sont biaisées, hein. En n'oubliant pas qu'ils sont biaisés parce qu'il y a une relation entre YT moins 1. Parce que nous, n'oublions pas qu'est-ce que nous avons dit ici. Regardez, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que une série, ça s'écrit, hein, ben il dépend de quoi? Il dépend de son histoire, des valeurs présentes et passées, du bruit blanc. Donc, YT dépend de YT moins 1, dépend de YT moins 2. Alors, on sait bien que il y a un biais. Lorsque je calcule 1 sur T, la somme de T est égale à 1 jusqu'à T moins 4, de YT moins Y bar, fois YT plus K moins Y bar. Donc ça, c'est gamma chapeau, c'est biaisé. Mais elle est asymptotiquement sans biais, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini, lorsque T tend vers, c'est-à-dire lorsque la taille de l'échantillon est assez grande, ben, il devient sans biais. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on les appelle autocovariance empirique. Alors, les autocovariances, on estime l'autocovariance empirique par ça. Hein. Donc, c'est quoi? C'est 1 sur T, la somme de T est égal à 1 jusqu'à T moins K,
de y t moins y bar fois y t plus k moins y bar. Le y bar, c'est la moyenne. On est d'accord? Très bien. Lorsque k est égal à 0, ben bien sûr, on va tomber sur la variance. On est d'accord? C'est-à-dire ici, je vais avoir de t est égal à 1 jusqu'à grand T. Ben je vais avoir y t moins y bar. Et lorsque je remplace k par 0, je vais avoir y t moins y bar. C'est-à-dire, je fais le produit, c'est y t moins y bar au carré. Alors, les fonctions d'autocorrélation simples, ce que vous avez ici, hein, c'est quoi? C'est les rho chapeau indice K, c'est gamma chapeau de K sur gamma chapeau de 0, qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Okay, hein, ce qu'on les appelle autocorrélation. Bah, c'est presque le coefficient de corrélation. Pourquoi on dit autocorrélation? Parce que c'est une corrélation entre elles-mêmes par rapport à la série, par rapport aux valeurs de la série. On est d'accord? Donc, c'est gamma chapeau K sur gamma chapeau 0, et dans la plupart du temps, elle appartient à l'intervalle moins 1 sur les fonctions d'autocorrélation. Vous vous rappelez de ces fonctions d'autocorrélation parce qu'on va les utiliser pour déterminer l'ordre de AR et MA, c'est-à-dire autorégressif et moyen mobile. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la fonction d'autocorrélation partielle. Alors, celle-là, elle est un petit peu compliquée pour la calculer. Alors ici, c'est quoi? La fonction d'autocorrélation partielle entre y t moins k, c'est la corrélation entre ces variables ajustées en enlevant l'information provenant des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire des dates t moins 1, t moins 2 jusqu'à t moins k plus 1. Alors comment on la calcule? Ben, il faut que vous me suiviez ici un petit peu, soyez attentifs avec moi. Alors c'est P indice k, c'est la corrélation de y t moins k, sachant y t moins 1 jusqu'à y t moins k plus 1. La différence entre autocorrélation, ça, on l'appelle autocorrélation simple, et c'est là autocorrélation partielle, c'est que autocorrélation simple, c'est j'en ai aucune idée, j'en ai aucune information sur yt-1 jusqu'à yt-1 plus 1. Par contre, en autocorrélation partielle, j'ai cette information. Alors, pour pi 1, 0, 1, il n'y a rien à faire. Pour pi 2, c'est le déterminant d'une matrice d'ordre 2 sur le déterminant d'une matrice d'ordre 2. Alors, pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 2, alors n'oubliez pas de se rendre à ma chaîne YouTube Math E&S et ben vous cherchez tout simplement une vidéo sur comment on calcule le déterminant d'une matrice. Et ben vous avez le calcul de matrice d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, et ainsi de suite. OK? Alors, comment on calcule pi 2 de cette façon-là? Alors, comment je vais remplir la matrice, c'est-à-dire qui se trouve, ou le déterminant de la matrice qui se trouve sur le numérateur, hein? OK, hein? Donc, ici, hein, pi 2, donc vous avez une matrice d'ordre 2, déterminant de matrice d'ordre 2. Alors, vous commencez par remplir la dernière colonne ici. Alors, puisque pi 2, donc c'est une matrice d'ordre 2. Alors, vous remplissez la première colonne et vous commencez par O1, toujours O1 et jusqu'à O2. OK? Et vous commencez par calculer la première ligne. La première ligne, on commence toujours par 1. 1, rho 1. Et ici, la même chose, 1, rho 1. Ça y est, on a terminé avec la première matrice qui se trouve sur le numérateur. La deuxième matrice qui se trouve sur le dénominateur, comment je vais la remplir? Ben, je sais que sur la diagonale principale, il n'y a que des 1. 1 et 1. Alors, je vais avoir 1 jusqu'à rho 1. Et la même chose ici, je vais avoir 1 jusqu'à rho 1. Et j'ai rempli la matrice du dénominateur. Maintenant, on va passer à pi 3. Comment on va la remplir? La même chose. Donc ici, je commence par remplir la dernière colonne. La dernière colonne, je commence par O1, O2 et O3. Et je commence par remplir la première ligne qui est 1. Après, qu'est-ce qu'on a? Et ici, il y a 1, rho 1, rho 2. Ça y est, 1, rho 1 et 1, rho 1, rho 2. Alors, n'oublions pas que sur la diagonale principale, ici, à part celle-là qu'il y a rho 3, il y a ici aussi un 1. Et bien sûr, ici, rho 2, pour que je puisse aller, alors ici, rho 2, vous avez rho 1. Si vous remplissez la deuxième colonne, vous avez rho 1. Vous avez diminué vers 1. Et lorsque vous êtes diminué vers 1, vous devez relancer, c'est-à-dire vous commencez de 1 vers quoi? Vers rho 1. Alors, sur la matrice qui se trouve sur, bien sûr, le dénominateur, vous remplissez la diagonale principale. Vous avez 1, 1 et 1. Et bien, ici, 1, rho 1, rho
Rho 2. La même chose, 1, Rho 1, Rho 2. Dans la matrice de l'animateur, vous avez la première ligne est égale à la première colonne. Après, vous avez ici dans la deuxième ligne, Rho 1, 1, et après je remonte, c'est-à-dire Rho 1. Et vous savez ici, Rho 2, vous allez aller à 1, c'est-à-dire Rho 2, vous allez tomber sur Rho 1 et après à 1. Et bien, vous avez ici, d'une façon générale, comment on peut tout simplement calculer, si vous voulez calculer P indice K, P indice 5, ainsi de suite. Okay. Alors, le bruit blanc, le fameux bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un processus qui est stationnaire. Ça veut dire quoi le processus A indice T est appelé bruit blanc? Alors, faible signifie son espérance doit être égale à 0, sa variance elle est constante et sa covariance est égale à 0. Ça veut dire si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, c'est à peu près idée. C'est-à-dire que le bruit blanc, il est décorrélé. Bah, comment décorréler? Parce que sa covariance entre les différents bruits blancs est égale à 0. Okay? Alors, un bruit blanc, c'est un processus qui est stationnaire. Bien sûr, il est stationnaire. Pourquoi il est stationnaire? Ben, il est stationnaire tout simplement parce que on a dit quoi? On a dit stationnaire, faible ou au second ordre. Si son espérance elle est constante, sa variance elle est constante et les covariances ne dépendent que de tout simplement du délai entre les variables considérées. Alors ici, l'espérance est égale à combien? À 0. La variance elle est constante et la covariance elle est toujours 0. Alors ici, si j'ajoute l'hypothèse de normalité, alors on parle ici d'un bruit blanc qui est gaussien. Un bruit blanc gaussien est un processus qui est strictement stationnaire. Les autocorrélations et les autocorrélations partielles, c'est-à-dire les pi et les rho, alors les pi et les rho, il faut que vous arriviez à comprendre que rho et p, on va les utiliser, pardon, au fur et à mesure. C'est-à-dire fonction d'autocorrélation ACF et les autocorrélations partielles. Alors, ici, dans notre cas, elles sont presque toutes nulles, sauf pour Rho 0 qui est égal à Pi 0 qui est égal à 1. Okay? Rho 0, Pi 0 est égal à 1. Par contre, les autres, on va utiliser quoi? On va utiliser la covariance. Et la covariance, elle est toujours est égale à 0. C'est pour ça que Rho qui est égal à Pi qui est égal à 0, quel que soit le cas, strictement positif. Okay? Très bien. Alors, on continue. Donc, ici, vous avez des exemples sur une série stationnaire. Vous voyez ça. Ça, c'est une série stationnaire. Celle-là, c'est une série stationnaire. Comprenez? C'est une série stationnaire. Celle-là n'est pas stationnaire. Pourquoi? Parce que si vous prenez ici comme ça et ici comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, c'est parallèle, mais elle est croissante. Ici, non. Ici, elle est toujours parallèle. Ici, c'est parallèle, mais elle est croissante. Donc, il n'est pas stationnaire à cause de la moyenne ou à cause de la tendance. Ici aussi, il n'est pas stationnaire. Regardez. Elle n'est plus parallèle. Ici, elle est parallèle, mais elle est croissante. Ici, elle est parallèle, mais elle est constante. Lorsqu'on a parallèle et elle est croissante, donc on a la stationnarité par rapport à la moyenne. Ici, on n'a pas une stationnarité ni par rapport à la moyenne, ni par rapport à la variance. Pourquoi? Parce que notre volatilité, ici, elle n'est pas parallèle. Donc, on a une volatilité qui change durant le temps. Ici, la volatilité, pardon, c'est celle-là. Elle est toujours parallèle. Donc, notre variance est constante. Par contre, l'espérance n'est pas constante. Okay? Donc, ici, on dit, dans ce cas-là, qu'on a la non-stationnarité en variance. Alors, test de stationnarité. Alors, test de stationnarité, on doit faire ce qu'on appelle le corrélogramme simple, okay, hein, la représentation graphique. Alors, le corrélogramme, c'est la représentation de autocorrélation et autocorrélation partielle. Nous pouvons identifier clairement les caractéristiques stochastiques d'une série chronologique que si elle est stationnaire. Cette étude de stationnarité s'effectue essentiellement à partir de l'étude des fonctions d'autocorrélation. Okay? Alors, une série chronologique est stationnaire si elle ne comporte ni tendance ni saisonnalité. Vous voyez? Alors, si on n'a pas
des composantes saisonnières, si on n'a pas une tendance, alors notre série, elle est stationnaire. Nous allons donc, à partir de l'étude du coréogramme d'une série, essayer de montrer de quelle manière nous pouvons mettre en évidence ces deux composantes. Alors, il y a pour vérifier la stationnarité, il y en a plusieurs tests. Il y a tous ces tests-là, il y en a d'autres. Hein. Des fonctions d'autocorrélation, ce qu'on va parler, même si on ne va pas rentrer dans les détails. Test de Box-Pierce et Young-Box. Test de normalité de Skewens et de Kurtosis qui nous calcule bien sûr la moyenne, l'aplatissement et nous calcule bien sûr la variance. Test de normalité de Jacques-Perra et test d'homocédasticité de Grolfeld-Quandt. Okay. Alors ici maintenant, on parle des modèles ARMA. On est dans le cadre des modèles stochastiques. Okay? Alors nous allons présenter une famille de processus aléatoires qui sont censés recouvrir une gamme très large d'évolutions possible de séries chronologiques, les processus autorégressifs et les processus de moyenne mobile. Alors, on les appelle ARMA, autorégressif, c'est AR, moyenne mobile, c'est MA. Alors, c'est à partir des abréviations des mots en anglais. OK? Alors, donc, des conditions assez générales, tout processus stationnaire peut être approché par un modèle ARMA. Tout processus stationnaire. Je peux l'approcher par ARMA. D'accord? Alors, PEQ, c'est l'ordre de, on va dire, de la partie autorégressive et de la partie moyenne mobile. En statistique, les modèles, pardon, ARMA, modèles autorégressifs et moyenne, ont aussi, on les appelle modèles de Box-Jenkins, ce sont les deux chercheurs qui ont trouvé tout ça, sont les principaux modèles de séries chronologiques. Étant donné une série temporelle YT, le modèle ARMA est un outil pour comprendre et prédire éventuellement les valeurs futures de cette série. Donc, ça va nous donner une façon, c'est une méthode qui va nous donner une prévision pour après. Le modèle est composé de deux parties, je vous ai dit tout ça, je l'ai expliqué, par une partie autorégressive et une partie moyenne mobile. Le modèle est généralement loadé comme ça, où P, c'est l'ordre de la partie AR et Q, c'est l'ordre de la partie MA. Alors, voici les écritures. Alors, on va commencer par le modèle autorégressif, AR. Dans le processus autorégressif d'ordre P, l'observation présente YT est générée par une moyenne pondérée des observations passées jusqu'à la Pm période sous la forme suivante. C'est comme si on est en train de dire que YT dépend de l'année dernière, l'année avant-dernière, jusqu'à la Pm année. C'est-à-dire il dépend de toutes les valeurs passées jusqu'à la valeur YT moins P. Plus AT, ou AT c'est quoi? C'est un bruit blanc. OK? Alors je peux écrire cette équation sous cette forme-là avec ce qu'on appelle l'opérateur rota qui est grand L. Alors c'est quoi LYT? LYT c'est YT moins 1. Lorsque j'associe l'opérateur rota à YT, je vais avoir un retard de... d'une année, d'un mois, ça dépend de laps de temps qu'on utilise, YT moins 1. Si je fais LLYT ou bien L au carré YT, c'est la même chose, c'est YT moins 2. Ben, la même chose si je fais L3YT, c'est YT moins 3. Et bien, d'une façon générale, si je fais L à la puissance K, YT, c'est YT moins 4. Alors, je peux écrire cette équation-là que vous avez ici sous forme avec les opérateurs rotards. Alors, je ramène tout ça. À ce côté-là. Donc, on va avoir YT moins θ1 YT moins 1 moins θ2 YT moins 2 moins jusqu'à moins θp YT moins OK est égal bien sûr à quoi? À ce qui reste, il reste le delta plus le bruit blanc. On est d'accord? Alors ici, alors YT, ben, puisque je vais mettre YT en facteur, YT
Alors ici, on a un moins. Alors ici, yt moins 1, je la remplace par l, par l'opérateur retard l. Alors ici, on a yt moins 2, je la remplace par l au carré. Ici, on a yt moins 2, je la remplace par l à la puissance p. Alors, il est démontré. Alors, pourquoi on va s'arrêter à p? C'est ça la question à comprendre. Il est démontré que le corrélogramme simple de quoi? Le corrélogramme simple de ça. Des fonctions autocorrélation simple ACF, ça. Il est démontré que le corrélogramme simple d'un processus ARP il est caractérisé par cette décroissance, c'est-à-dire rho indice K, c'est rho à la puissance K. Okay? Mais pour qu'on puisse comprendre pourquoi on s'arrête à P, c'est grâce à l'autocorrélation partielle, c'est-à-dire les pi. On va calculer les pi et on va trouver que à partir de, on va dire, de, à partir de P plus 1, toutes les valeurs sont égales à 0. Le corrélogramme partiel, c'est la représentation graphique de l'autocorrélation partielle à ces seuls P premiers termes différents de 0. C'est-à-dire, P1 chapeau, P2 chapeau jusqu'à P chapeau indice P sont différents de 0. Et à partir de P plus 1 jusqu'à l'infini, c'est égal à 0. C'est pour cela qu'on va dire qu'on s'arrête à la valeur Pm. On est d'accord? C'est-à-dire à l'année t moins p. Donc, pour autorégressive, pour déterminer l'ordre, on utilise le corrélogramme de l'autocorrélation partielle. On est d'accord? Et on essaie de voir à partir de quel moment, c'est-à-dire les valeurs deviennent égales à 0, bien sûr. Et à ce moment-là, c'est-à-dire l'année avant, c'est-à-dire c'est pas l'année avant, c'est l'année après, ça va être l'ordre de autorégressif. Pour moyenne mobile, bah, on va se focaliser pas sur l'autocorrélation partielle, mais on va se focaliser sur l'autocorrélation, c'est-à-dire sur les rho. Okay, hein? Alors, comment on écrit moyenne mobile? Alors, vous voyez, modèle MA, c'est Moving Average, c'est pour ça, c'est l'appellation anglaise et avec l'abréviation anglaise, mais en français, on l'appelle moyenne mobile. Dans le processus de moyenne mobile d'ordre Q, chaque observation yt est générée par une moyenne pondérée d'aléas jusqu'à la qm période. Okay? Alors, yt, regardez ici, yt, j'ai écrit sous la forme de delta plus at plus les valeurs présentes et passées d'un bruit blanc jusqu'à at moins q. Okay? Nous pouvons interpréter le modèle MA comme étant représentatif d'une série chronologique fluctuant. Alors, ça, elle est importante, cette phrase-là. Comme étant représentatif d'une série chronologique fluctuant autour de sa moyenne. Pourquoi on dit autour de sa moyenne? Si vous introduisez ici l'espérance de YT, vous aurez, c'est l'espérance de tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Ben, l'espérance de x plus y, de deux variables aléatoires, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. On est d'accord. L'espérance de at, at c'est un bruit blanc, c'est 0. L'espérance de at moins 1, c'est 0. Parce que il va me rester l'espérance de delta. Delta, c'est une constante. Elle-même. Donc l'espérance de yt, c'est delta. Donc ici, notre interprétation, c'est que la série chronologique, il se fluctue autour de sa moyenne qui est delta, okay? Sa moyenne de manière aléatoire. D'où le terme de moyenne, car celle-ci, on lit sur la série, gomme le bruit créé par l'aléa. Donc c'est comme si on a une série qui tourne autour, qui fluctue autour de sa moyenne d'une façon aléatoire. Okay? Très bien. Alors ici, moyenne mobile. Donc, on peut aussi calculer si en utilisant, hein, donc on peut faire la même chose ici, hein, en utilisant le retard, hein, ok, hein, delta, alors le at, il n'y a pas de retard, donc on la laisse 1. Ici, moins phi 1, at moins 1, donc on va faire l at, at moins 2, c'est l au carré, at, ainsi de suite. Alors, il est à noter qu'il y a une équivalence entre un processus MA1 et un processus AR d'ordre P qui est infini, c'est-à-dire MA1, je peux l'écrire sous forme de AR infini. Ça, on va le voir tout de suite, OK?
Donc, pourquoi on va s'arrêter à Q? Parce que le corrélogramme simple, c'est quoi le corrélogramme simple? C'est la représentation graphique de ça. Des autocorrélations, les ACF. OK, hein? Donc, le corrélogramme simple a ses seuls Q premiers termes différents de 0. Alors, pour moyenne mobile, on s'intéresse à coefficient d'autocorrélation. Et on doit faire la représentation du corrélogramme simple. Et pour l'autorégressif, on s'intéresse à, on va dire, l'autocorrélation partielle et on s'intéresse au corrélogramme partiel. Okay? Il est démontré que le corrélogramme partiel d'un processus MAQ est caractérisé par une décroissance géométrique des retards. C'est presque l'inverse que nous avons vu dans le cas de l'autorégressif. Autorégressif, on a vu que ce sont les autocorrélations qui vont avoir une décroissance géométrique. Par contre, dans moyenne mobile, ce sont les autocorrélations partielles qui ont une décroissance géométrique. Dans moyenne mobile, je m'intéresse pour l'ordre, je m'intéresse à l'autocorrélation, au rho. Et dans autorégressif, je m'intéresse pour l'ordre, pour déterminer l'ordre, je m'intéresse à l'autocorrélation partielle. Très bien. Alors, le modèle ARMA, si on a les deux, c'est-à-dire AR et MA, ARMA, ben, on a cette écriture-là, cette fameuse écriture que vous avez devant vous ici. Vous avez une partie autorégressive et une partie moyenne mobile. OK? Donc, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là avec l'opérateur retard. Hein, d'accord? Donc, vous ramenez cette partie-là ici. Là, vous avez 1 moins T1, T1 L jusqu'à LP est égal à delta, c'est-à-dire ici, c'est la moyenne, plus 1 jusqu'à AT. Alors que vous pouvez l'écrire sous cette forme-là. Alors, le grand θ L, c'est toute cette valeur-là. Et le grand phi L, c'est toute cette valeur-là. Alors, les corrélogrammes simples et partiels sont par voie de conséquence un mélange des deux corrélogrammes, les processus ARMA purs. Il s'avère ainsi plus délicat d'identifier ces processus à partir de l'étude des fonctions d'autocorrélation empirique. Très bien, donc on a compris maintenant c'est quoi un modèle autorégressif, un modèle moyenne mobile. Comment on calcule l'ordre? Tout ça, on l'a bien compris. Alors, mais ça reste une question. Pourquoi on a cette écriture? Est-ce que cette écriture existe? Comment on peut dire que ça existe, cette écriture? Comment on va dire que YT s'écrit sous la forme des valeurs passées de sa série et des valeurs présentes et passées d'un bruit blanc? Comment? Eh bien, c'est grâce à un fameux théorème qui est le théorème de Wolf. C'est un fameux théorème. C'est lui qui va nous expliquer. S'il n'y avait pas ce théorème, on ignorera ni autorégressive, ni MA, ni série chronologique, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit, tout processus Y centré est stationnaire au second ordre. Si YT est stationnaire au second ordre, alors s'il est stationnaire au second ordre, son espérance constante, sa variance constante, les autocorrélations dépendent que du délai entre les deux valeurs de la série. Ben, il peut s'écrire sous cette forme-là. Il peut être représenté sous une forme proche de la forme M à infini. Regardez. C'est-à-dire, si YT est stationnaire, je peux l'écrire comme une somme infinie d'un bruit blanc, des valeurs passées et des valeurs présentes d'un bruit blanc jusqu'à l'infini, plus bien sûr delta t, qui est quoi? Un processus déterministe. C'est pas mal. C'est-à-dire, on a démontré grâce à ce théorème que une série, c'est elle est stationnaire. Je répète, elle est stationnaire. Son espérance, elle est constante. Sa variance, elle est constante. Autocorrélation dépend que du délai. S'il est stationnaire, je peux l'écrire sous forme de M à infini. Il s'écrit que par rapport des valeurs présentes et passées d'un bruit blanc.
Et un brouillon, il est comment? Eh bien, un brouillon, il est stationnaire. On est d'accord? Son espérance est égale à zéro, sa variance, elle est constante, et il est décorrélé. C'est pas mal, ça. Toute série stationnaire s'écrit sous cette formule. Bien sûr, avec ces conditions, alpha 0 est égal à 1. Pourquoi alpha 0 est égal à 1? C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les alpha j est égal à 0. Donc, au moins, il y a un alpha qui est différent de 0, donc qui est égal à 1. Okay? Tout processus YT stationnaire peut se mettre sous forme M infini. Très bien. Alors, continuons. On va voir d'autres théorèmes. À partir de ce théorème, ben, il y a d'autres théorèmes qui ont surgi. Et donc, on va le voir tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce fameux théorème qui est Arma-PQ. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème-là? Ça, il nous donne l'existence. Donc, on a pu dire que tout processus stationnaire s'écrit sous la forme de MA infini. Très bien, moyen mobile infini. Alors, si nous avons cette équation-là, atteste un bruit blanc. Très bien, qui s'écrit sous cette forme. Alors, on suppose que... je vais écrire θ x et phi x. Alors, à la place de L, j'écris ici x. À la place de L, ici, je vais avoir x. Et bien, je vais avoir ici x, x au carré jusqu'à x à la puissance p. Et donc, ici, θ i, phi x, ici, je vais avoir x, x au carré jusqu'à x à la puissance q. Donc, θ x et phi x, ça va être un polynôme. Le θ x est un polynôme d'ordre p et le phi x est un polynôme d'ordre q. Alors, si les deux polynômes n'ont pas des zéros communs, c'est-à-dire une racine de θ x n'est pas une racine de phi x, et une racine de phi x n'est pas une racine de θ x, c'est-à-dire ils n'ont pas des racines communes. On est d'accord? Si on n'a pas des racines communes, alors l'équation au-dessus admet cette équation au-dessus, celle-là, admet quoi? Une solution stationnaire au second ordre, c'est-à-dire que cette équation, je peux trouver une solution qui va être stationnaire. Regardez, on a commencé par quelque chose qui n'est pas stationnaire. On a une écriture. On a cette écriture. Est-ce que cette écriture admet une solution? OK? Il admet une solution. Oui. Et il admet cette solution. Il va être comment? Il va être stationnaire. Alors l'équation au-dessus admet une solution stationnaire au second ordre. Si seulement si le polynôme θ x il va être différent de 0 pour x est égal à 1, c'est-à-dire pour il n'admet pas une racine unitaire. C'est quoi une racine unitaire? C'est une racine telle que sa valeur absolue est égale à 1, ou bien son module est égal à 1 si on est dans les nombres. Donc, c'est-à-dire que θ x est différent de 0 pour toutes les racines unitaires. Cette solution est unique. Et a pour expression, alors vous me suivez ici, regardez, yt, c'est une somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de psi k à t moins k. Alors on doit comprendre pourquoi ce n'est pas de 0 jusqu'à plus l'infini. Le théorème de Wolf, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si yt est stationnaire, je peux l'écrire sous forme de à l'infini. Alors, vous me suivez ici parce que c'est très important, hein. Alors, n'oublions pas que ce cours-là, il n'est pas destiné que pour les gens de master, hein, les étudiants de master. C'est aussi destiné pour les étudiants de doctorat. D'accord, hein, qu'on soit clair. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Y stationnaire, je peux l'écrire par rapport au moyen mobile infini, c'est-à-dire de 0 jusqu'à l'infini. Des valeurs présentes et passées d'un bruit blanc. Très bien. Alors, maintenant, on dit si on a une écriture sous forme de Arma. Une écriture sous forme de Arma. Pardon, je vais m'y arriver. Alors, si on a une écriture sous forme de Arma, alors cette écriture, ça, il admet une solution, et cette solution, ça va être stationnaire si le polynôme θ x, si le polynôme θ x et phi x n'ont pas de racines communes, et le polynôme θ x qui est d'ordre p, n'admet aucune racine unitaire telle que ça, son module, ou sa valeur absolue est égale à 1. Dans ce cas-là, le yt s'écrit sous la forme de k est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors ici, il faut qu'on arrive à comprendre. Yt s'écrit comme une somme
infinie de moyennes mobiles. Mais de moyennes mobiles, est-ce qu'il n'y a que les valeurs présentes et les valeurs passées? Non, il y a les valeurs présentes, les valeurs passées et les valeurs futures. N'oubliez pas que k est égal à moins l'infini, si on remplace k par moins 5, je vais avoir t plus 5. Donc le y, t dépend des valeurs futures, des valeurs présentes et des valeurs passées. Donc ici, on a l'existence des processus armes. Très bien, il n'y a pas de problème. Ok, je continue. Maintenant, causal, la causalité. Toujours, j'ai cette équation-là. Toujours. Toujours, j'ai θ, x et fx n'admet pas de racines communes. Alors, l'équation au-dessus admet une solution. Maintenant, regardez, admet une solution qui est stationnaire causale au second ordre. Si le polynôme θ x est différent de 0 pour toutes les racines qui appartiennent au disque unitaire, c'est-à-dire lorsque la valeur absolue du x est inférieure ou égale à 1. Si j'ai ça, regardez yt, le changement que j'ai par rapport à ça. C'est quoi le changement entre ça et ça? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ici, yt, cette solution dépend uniquement que du passé du processus. Vous voyez? Par contre, ici, il dépend du passé, ici, dépend du passé, du présent et du futur. Ici, il dépend que du présent et du passé. Mais bien sûr, c'est quoi la meilleure? La première ou la deuxième? Bien sûr, c'est celle-là. Parce que je peux écrire yt, on va dire, ma solution stationnaire qui va dépendre que du présent et du passé, mais c'est difficile pour moi d'écrire yt qui dépend du futur, du passé et du présent. D'accord? Donc c'est justifié. Alors si je veux qu'il dépend que du passé et du présent, alors je dois avoir le θ x n'admet pas de racine dans le disque unitaire, c'est-à-dire tel que leur valeur absolue il est inférieur ou égal à 1. Alors si je veux avoir inversible, c'est quoi inversible? Regardez inversible. Inversible, toujours la même équation. Toujours les deux polynômes n'ont pas de racine unitaire. Maintenant, c'est le polynôme fixe. Si le polynôme fixe n'admet aucune racine dans le disque unitaire, tel que x inférieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout bruit blanc s'écrit comme une somme infinie de quoi? De yt. C'est-à-dire ici, c'est comme si on a un AR infini. OK? C'est-à-dire un bruit blanc s'écrit comme une somme des valeurs passées et présente de la série. Le k est égal à 0 jusqu'à l'infini. C'est pas mal ça. Très bien. Alors les propriétés qu'on peut tirer de ça, c'est que un processus ARP est stationnaire dès que son polynôme autorégressif est causal. Alors, si je veux démontrer que mon processus ARP est stationnaire, c'est-à-dire je dois vérifier si le polynôme autorégressif θ x est causal, c'est-à-dire quoi? Qui n'admet aucune racine dans le disque unitaire. Okay? C'est-à-dire que les racines de son polynôme autorégressif sont toutes situées à l'extérieur du disque unitaire. Un processus ARP, par défaut, il est inversible. Parce que inversible, voici ici, inversible. Et il faut voir phi x. D'accord. Un processus MAQ est inversible dès que les racines de son polynôme autorégressif, phi x, sont toutes utilisées à l'extérieur du disque unitaire. MAQ est par défaut les stationnaires. Parce que lorsqu'on parle de la stationnarité ici, qui est la causalité, ben on prend en considération que phi x. Pardon, que θ x, on ne prend pas en considération phi x. Très bien. Alors, un processus ARMAPQ est causal et inversible lorsque les racines des polynômes θ, x et phi x sont toutes situées à l'extérieur du disque unitaire. Dans ce cas-là, y et at se déduisent mutuellement l'un de l'autre que par des opérations de filtrage causal. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette étape-là parce que c'est très important. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la non-stationnarité et les tests de racines unitaires. Très bien, ici, hein. Alors, je vais m'arrêter ici et je vous dis merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.